Of course, local authorities and different levels, they all have less resources. Money is that a problem or is that an opportunity? Can sobriété also be an opportunity? Well, in a way, it can make energy performance contracting and try to implement those, especially energy efficiency projects. And I think it was even mentioned by the IPCC that financing energy efficiency is one of the big issues in the whole world, and this is a challenge that we face. Climate Alliance is a network of cities. Climate Alliance, c'est un réseau de villes. We have 1,700 members. Nous avons 1,700 membres dans 26 pays différents. Our members are all nos membres sont tous axés sur les questions climatiques, donc c'est le plus grand réseau qui met l'accent sur le climat. Nous avons une initiative en Europe qui s'appelle la Convention des maires, qui est très importante pour nous, puisque nous sommes l'un des réseaux qui participent à cette initiative. Et c'est important parce que c'est un mouvement qui représente plus de 6000 collectivités locales qui œuvrent pour le même objectif. Il s'agit d'aller au-delà donc des objectifs en matière de climat et d'énergie fixés par l'Union européenne. Et nous travaillons aujourd'hui pour faire en sorte que cette initiative devienne une initiative mondiale. Aujourd'hui, nous savons tous que le financement est l'un des plus grands défis qui se posent aux autorités locales. Et le financement de l'efficacité énergétique, c'est l'un des plus gros défis qui se posent à nous. Nous avons un nouveau projet qui vise à analyser tous les instruments de financement qui existent et les bons exemples européens, mais qui n'ont pas été dupliqués autant qu'on aimerait que ce soit le cas. Nous essayons de faire avec ce projet, c'est d'appuyer des collectivités locales d'échelles différentes pour voir quels sont les financements, des modèles de financement novateurs qui pourraient fonctionner pour ces collectivités locales. Par exemple, dans le cadre d'un plan énergétique, un plan climatique, que ça soit possible à financer et qu'on trouve donc les moyens de financer avec des investissements ces projets.